Les élèves ont répondu à l'appel du ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation le 11 septembre 2023. Cette rentrée scolaire s'annonce pleine d'espoir, mais aussi de défis pour les acteurs de l'éducation. Alors que le pays a connu d'importantes réformes ces dernières années, les élèves, les enseignants et les parents d'élèves s'apprêtent à faire face à de nouveaux enjeux pour assurer une éducation de qualité. Notre objectif cette année scolaire, c'est de travailler plus parce qu'on est venu motivé, discipliné, pour bien travailler, pour que cette année scolaire-là soit vraiment une année de succès, de postérité. J'essaie cette année, c'est de bien travailler, d'avoir mon entrée en 6e pour rendre mes parents heureux. Les enseignants, quant à eux, doivent faire face à de nombreux défis pour répondre aux attentes des élèves. Les parents espèrent une approche pédagogique dynamique. Les défis auxquels nous sommes appelés à faire face en cette année sont habituels. D'abord, c'est un lycée d'excellence. Donc, nous sommes appelés à relever davantage le niveau des élèves que nous avons reçus. Ce sont des élèves qui déjà ont un bon niveau que nous devons maintenir, sinon aider à propulser davantage. Voilà. Parallèlement à cela, nous sommes appelés aussi à inculquer aux élèves d'autres valeurs autres que scolaires. Voilà, des valeurs qui sont utiles à la société. J'aimerais une bonne année, j'aimerais une année prospère pour ma fille, qu'elle soit une belle année pour elle. Parce qu'elle débute aujourd'hui. Cette année, elle va faire la petite section. Donc, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à elle aujourd'hui. Voilà. J'aimerais qu'elle passe une bonne année. La rentrée 2023-2024 en Côte d'Ivoire a commencé avec un fort sentiment d'optimisme et d'anticipation chez les élèves, les parents et les enseignants. Ces différents acteurs ont exprimé leurs attentes en matière d'éducation de qualité, de meilleures infrastructures et de soutien pédagogique.